Les enfants, bonjour. Oh, mais il y a des petits cadeaux. Ça, c'est gentil. Ça, Nicolas, pardonnez-moi. Alors, attendez, pour prendre connaissance de vos cadeaux, je vais poser ma crosse ici. Parce que je crois que je n'aurai pas assez de mes deux mains pour recevoir vos petits cadeaux. Vous avez mis vos noms dessus? Oui. Dans certaines régions, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Nord et Est de la France, Saint-Nicolas, monté sur un âne ou un cheval, et le père fêtard visitent les maisons où il y a des enfants le soir du 5 décembre. Le saint bénit l'assemblée et distribue des friandises, tandis que le père fêtard fouine dans la pièce, menaçant avec ses baguettes les enfants qui n'ont pas été sages. La nuit, Saint-Nicolas dépose des cadeaux dans les souliers placés près de la porte ou de la cheminée et prend pour sa monture le foin ou les carottes mis à cette intention. C'est avec quelques jours d'avance que les enfants de l'IME, Institut médico-éducatif de Pierrevillers, ont eu l'agréable surprise de voir arriver dans leurs nouveaux locaux Saint-Nicolas et le père Fouettard. Après avoir demandé aux éducateurs si les enfants avaient été sages tout au long de l'année, le patron des enfants leur a distribué des paquets de friandises. Gageons que tous garderont un bon souvenir de ce moment.